La forêt, un petit sapin comme ça. Il s'appelle Albert. Et Albert, le petit sapin, il a entendu parler des maisons, des villages, des gens de Noël. Et Albert, le petit sapin, il a dit à sa maman, « Tu sais, maman, moi je voudrais bien aller à Noël chez les gens. » Et la maman d'Albert, le petit sapin, lui a dit, « Ouh là là, mais Albert, il faut que tu attends, tu es encore trop petit, tu verras, quand tu seras grand, peut-être que tu pourras aller chez les gens. » Et Albert, il a dit, « Non, moi, je veux aller chez les gens. Cette année, je veux qu'ils chantent mon beau sapin, je veux qu'ils ouvrent les cadeaux et je vois comment c'est. » Et maman, elle a dit, « Mais écoute, ça viendra, mais tu as encore le temps. » Il y a 3 jours, un vent très froid a traversé la forêt et le lendemain matin, Albert, le petit sapin, il s'est réveillé et il a fait « Hop ! Hop ! Chou !» Et sa maman lui a dit « Mais regarde, Albert, en plus t'es petit et en plus t'es presque malade, viens, viens, viens !» Elle lui a mis un bonnet, un gros cache-nez, qui sont plus arrivés. Et c'est ce jour-là qu'ils sont venus de la petite ville dans un gros camion. Ils étaient 3, un gros monsieur avec une casquette et ses 2 aides. Ils venaient choisir des sapins pour mettre dans la petite ville tout partout, comme ici. Le gros monsieur avec la casquette, il a dit « Oh, on va prendre le tout au grand sapin, on va le mettre sur la place de la mairie. » Ouh, et puis les 2 là-bas, ils vont à la boulangerie. Les 3 là-bas, vous les mettez, on les emmène près de la mairie. Et puis vous en prenez 10 des moyens. Et puis tiens, vous essayez d'en trouver 5 des tout petits, mais des jolis. Et là, Albert, c'est le petit sapin, il s'est fait tout droit. Et d'un seul coup, il y a le gros monsieur avec la casquette qui commandait les hommes qui ramenaient les sapins. Il est venu vers Albert, il s'est penché, il l'a regardé. Et Albert, il s'est dit, ça y est, il va me choisir, il va me choisir. Et le monsieur, il a soulevé sa casquette, il a dit « Hé, venez voir une fois là, c'est quand même bizarre celui-là » Les 2 aides sont venus, ils se sont penchés, et ils ont dit « Mais, il a un bonnet et un cache-nez, il doit être malade, on va pas l'emmener !» Ils sont partis avec la camionnette, ils sont redescendus dans la ville pour décorer toute la ville avec les sapins, et Albert, le petit sapin, il est aussi dans la forêt. Et il était tout triste. Et c'était la veille de Noël. Et à la veille de Noël, durant la nuit, Albert, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, et ben moi, Albert, je vais y aller tout seul au village. Et alors, il est descendu à pas de petit sapin. Tout doucement, il est descendu de la montagne. Il a traversé tout doucement les champs et il est arrivé au-dessus du petit village. Il y avait toutes les lumières, on entendait des gens qui chantaient Noël. Et Albert, il se disait, oh vraiment, je vais découvrir ce que c'est le Noël, le pays des hommes. Et là, il est arrivé à côté d'une petite maison qui était juste au-dessus du village. Et quand il est arrivé à la hauteur de la petite maison, derrière la fenêtre, il y avait 3 enfants. Le plus grand, Alfred, Mathilde, sa sœur avec des petites couettes toutes blondes, et le petit Joseph, le clan de Seppelin, parce qu'ils étaient le plus petit. Et les 3, ils étaient en train de regarder par la fenêtre depuis qu'il faisait nuit, parce que papa leur avait dit, si vous êtes sages, il viendra vous ramener les cadeaux, le... Comment s'appelle de nouveau celui-là, avec la... Hop, voilà, le Père Noël. Merci. Le Père Noël et les 3 enfants, ils étaient à côté, un à côté de l'autre, derrière la fenêtre, et ils attendaient. Et d'un seul coup, il y a le tout petit qui a dit « Regardez, il y a le Père Noël qui vient, là, il descend de la montagne. » Et sa grande sœur, celle qui avait des jolies petites couettes blondes, elle a fait « Mais non, regarde, c'est pas le Père Noël, c'est un sapin. » Et le plus grand des 3, Alfred, il a fait « Mais, vous avez vu, le petit sapin, Il a un bonnet et un cache-nez. » Et à ce moment-là, Alfred le petit sapin, il est arrivé devant la maison et il a fait Tchoum. Oui, c'était ça que j'avais oublié. Et à ce moment-là, les 3 enfants ont ouvert la porte, ils ont ramené
Alfred, à l'intérieur, et le posait à côté du poêle à bois où il faisait bien chaud. Et Alfred, il était content. Il avait plus froid, il avait plus le nez qui coulait. Et il était pour la première fois dans une maison. Alors il regardait, il disait, oh, c'est bien, c'est bon. Et d'un seul coup, la petite fille, elle est venue. Elle est montée un peu sur une chaise parce qu'elle n'était pas très grande. Elle lui a enlevé le bonnet, enlevé le cache-nez. Elle a ouvert l'armoire en bas et elle a sorti un gros carton en bois. Et du carton en bois, elle a sorti des guirlandes, des boules et même une étoile qui brille qu'elle a mis au-dessus sur la tête d'Alfred. Et elle s'est reculée et elle a dit « Oh là là, mon petit sapin, mais tu sais, t'es le plus beau des sapins de Noël !» Et là, Alfred dit « Il était heureux, comme jamais un petit sapin, il a été heureux !»